Et on est de retour pour The Callisto Protocol, deuxième partie du deuxième let's play, j'ai envie de dire. On s'est arrêté là, on a notre nouvelle arme, notre flingue. Et quoi d'autre? On a deux soins, des balles, on a notre matraque. Et on est bon, on part. Ok. J'avais un peu peur des petits trucs là sur le sol. Je me suis dit, est-ce qu'on en ti on tire sur certains ou pas? Il y a des trucs à ramasser. Je suis pas fan des lumières qui flashent comme ça, personnellement. Je trouve pas que ça fasse peur en fait. Ça déstabilise surtout ça. Oh, bref. Ah, je sais que là-haut, on va rencontrer celui qui change les gens. Qui m'a vu ou pas? Il va descendre. On va. Je sais pas si on n'est pas censé faire quelque chose de spécial quand on le rencontre. Mais on va simplement attendre qu'il vienne ici, puis après on va le taper dans le dos et tout. On peut pas les. On peut pas les poignarder ceux-là. Ah, d'accord, c'est. D'accord, ok. Mais putain, qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Il s'est retourné instantanément et. Et Jacob, il a pas voulu tirer aussi. Okay. Putain. J'ai visé ça, pas tiré. J'ai dû arrêter d'appuyer sur la gâchette trop rapidement. Regarde, c'est de ma faute. Alors, je me rappelle plus exactement par quel côté est le reste de l'histoire. C'est où là, je m'en rappelle plus. C'est qu'il n'y a rien ici. Il n'y a même pas d'objet en fait. Quoique. J'ai rien dit.
crois que ça fait un peu le tour. Je me rappelle plus. C'est un peu labyrinthe, ici. Ça descend, ça monte. On va voir. Je vais aller à droite. Je sais plus. Et là. Il y a des lampes torches partout par terre. Ok, on avance. Je crois que là c'est des ressources supplémentaires et après on va repasser par la porte là qui était verrouillée, je crois, un truc comme ça. Oh la vache, j'avais pas fait attention à ça. Oui, 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 c'est là, je me rappelle. Il y a un coffre. Ouais, il est de l'autre côté. On va devoir combattre. On fait un combo allongé, c'est-à-dire qu'on tape 4 fois au lieu de 3. C'est bien ça aussi. Nice. Joli. Ça y en a 2. C'est pas si mal passé. On va un peu. 12 et 3, ça va, on a encore un soin et tout, ça va, c'est nickel. On a encore plusieurs soins. Est-ce que j'ai pris la bonne échelle? On vient de là, je me rappelle plus. Non, c'est bon. Voilà. Ok, nickel. Parfait, parfait. Je suis content de notre performance. Là on est bon, yes.
On est d'accord qu'il s'est retourné et tout ça, hein. Et que après il s'est re-téléporté. Enfin, la position du corps a encore changé parce qu'on l'a backstab en même temps, on est d'accord. Je sais pas pourquoi je les casse, on peut voir à l'intérieur, donc ça brille pas, y'a rien à ramasser. Eric Jane. La voix est cool en anglais. Ouais, vraiment cool. Ah putain! Ah, je me suis fait avoir la première fois. La deuxième, c'est pareil quoi. Ok, ça c'est un mur. Bien joué, Jacob. Jacob, quoi. C'est un putain de mur où tu viens de tirer. C'était quoi? Blanchisserie et quoi? Maintenance. Je crois que d'abord c'est la blanchisserie. Marrant parce que j'avais jamais fait gaffe, mais ça là, la forme, on dirait pas un mec qui est genre à un genou derrière. Une forme comme s'il y avait quelqu'un. Bon, par contre, on n'ouvre pas ça là-bas. On sait ce qu'il y a dedans. Ah merde. Toujours ce problème d'inventaire, hein, ça change pas. La vie, je crois qu'on est plein. Hein. On est plein. Ça, c'est quoi ça? Merde, j'ai pas vu le nom. C'est quoi? Énergie parfaite.
Je crois qu'on va devoir déposer un soin. Ça c'est 200, ça c'est 100, ça c'est 120. Les trucs là? Ouais. Une chose qu'ils auraient pu faire honnêtement, vu que c'est aléatoire les objets, comme ça là, genre si je recharge la partie ce sera pas les mêmes. Ils auraient dû faire en sorte que si jamais on est plein, genre on ait des crédits à la place. J'en sais rien, je sais pas, quelque chose. Que là l'inventaire honnêtement c'est galère. Et de ce que j'ai vu... Plus loin, c'est que bah, ça sera tout le temps galère en fait l'inventaire. Genre il y a zéro coffre, il n'y a pas de coffre apparemment. Pas comme dans Dead Space. Ils sont partis en fait. Du coup, je peux passer par le conduit d'aération. Je sais qu'il y en a deux après qui sont derrière, mais... Oh, on n'a pas un établi, pas loin. Il y a encore un objet à 200 derrière. Je crois qu'il y en a un peu plus loin. Un vague souvenir. Il y a trop de conduits d'aération dans le jeu. Il y en a nettement trop. Est-ce que j'ai loupé encore un endroit secret en haut? Ou pas? Ah non, 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 je me rappelle. Là, il y a un audio. Strictement rien prendre. Je peux strictement rien prendre parce que on est plein. Putain, c'est relou. Attends. Du coup, ça c'est du soin, c'est du soin, et ça c'est munitions pour le canon.
Si jamais je trouve une recorche pas loin, mais je me rappelle plus où elle est la prochaine. Mais si jamais j'en retrouve une, je fais un aller-retour parce que là il y a trop d'objets en fait. Il y a grave trop d'objets. Pourquoi tu te mets à genoux tout le temps? C'est ouf quoi. À des passages, il va se mettre à genoux automatiquement quand il sort. Très bizarre. Genre là, il sort de l'échelle, hop, à genoux. Ah non, il n'y a pas de reforge ici. Ils auraient dû mettre une reforge en fait. Comment on sort d'ici sans... sans problème en fait. Si je passe par le conduit, je tombe nez à nez avec un monstre. Je n'ai pas de reforge. Ah, je crois qu'il y avait une bestiole là. Ah putain! Jacob, t'es pas doué. Hein. Immune. Ah, ça. Ah, maintenant on est méga loin quand même si je dois faire un aller-retour. Ouais non, je pourrais pas. Je pense pas que... Je pense que là ça va me couper la zone. Ah putain, c'est vraiment relou hein, ce système. L'inventaire. Parce que là on a au moins 500, je dirais, un bon 500 crédits. Qui va être perdu. Je peux peut-être revenir en arrière, j'en sais rien. On verra. Attention, jumpscare. C'est quoi ça? Ça, c'est encore un 200. Fais chier. Ouais, non, mais je vais pas me séparer de tout ça quand même. Ah oui. Found one of those gloves that Captain Ferris had. That's a grip. Bastard guards love to use it on us inmates. Yeah, I remember.
Et ça, on va le changer aussi. On va prendre l'augmentation, là, pas la recharge. Et pas la puissance, mais pour avoir plus de... Oh, c'est pas un truc à casser. Non. Mais pour avoir plus de charge, en fait. Pas la recharge automatique, parce que ça sert un peu à rien. De toute façon, l'inventaire, il est tellement plein tout le temps qu'on a deux, on va devoir utiliser des objets tout le temps. Ah, vous vous rappelez le freeze qu'on avait eu, ici? Ah. Il y a eu un tout petit freeze, mais ça va, c'est jouable. Pas de problème. Il est où l'autre? Il est où le... Il faisait d'où lui? Mais... What? Non mais... Il y en avait pas autant! Il y en avait que deux normalement! Enfin, il y en avait pas trois? C'est quoi cette merde? Il y avait le mec qui passe par la porte et le gros. What the fuck? Hold her down! I'm trying! What's going on? We don't know. Just hold her! I'll get her on the set in. Hurry! Qu'est-ce qu'il parle? D'accord. Mais putain! D'accord, super. Ah, le combat, il est pas, hein, il est pas parfait, hein. Il est loin d'être parfait. Comme j'ai dit, il y a ce système d'engagement qui casse tout, je crois. Honnêtement, c'est comme ça que je le vois, moi. Je sais pas d'où il vient lui. Ouais, d'accord, j'ai bien esquivé du bon côté. Ouais. C'est bon? Non? Il est où l'autre? Parce qu'apparemment il y en aura encore un. C'est bizarre, je sais pas pourquoi il y a eu trois mecs. C'est le script qui fait un peu n'importe quoi, il venait d'où le troisième? J'en sais rien. Je sais pas, il y a eu trois mecs à un moment. Là que, alors que là il y en a deux. L'inventaire est encore plein. Ok. Juste regarder de ce côté là-bas. Ok. Oh, là-bas, il y a une... Yes, je me rappelle. UJC Printing. Have a United Day. Ah, putain. Je vais faire ça aussi. J'ai envie de revenir sur nos pas, mais c'est méga loin. C'est quand même méga loin.
night et day. Oui, Jacob. Allez, go, Jacob. Et très bien. Après, on va prendre contrôle des émeutes. Et après, pour l'arme, il faudrait... le chargeur améliorer assez vite aussi. On va voir les objets qu'il y a là. Ah, putain. On peut pas les tuer, ceux-là. Genre avant qu'ils nous bouffent. On peut pas le faire. Du soin, des balles. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai envie de zapper les balles. On a 94, 200. Il faudrait 400. 400. C'est en fait là, si je reviens en arrêt, il me faut de la place. Pour ça. Ouais. Je vais tenter un truc. Ok, je vais tenter un truc. On va sauvegarder, même si ça sert pas vraiment à grand chose, parce que ça sauvegarde les points de sauvegarde, comme j'avais expliqué, les points de contrôle. On va essayer de revenir en arrière pour aller récupérer les objets. Ah merde, je peux pas. Ah putain, ils m'ont bloqué. Quoique, peut-être que... Non, le jeu veut pas. Ouais. Bon, bah on a perdu dans les 500 et quelques crédits au final, à cause de ça. On a encore deux soins. Au pire, j'en utiliserai un si on a besoin de place. Ah là, on aurait pu faire au moins une ou deux améliorations. Ah merde, je l'ai pas fait. Putain. C'est con ce système. Honnêtement, les QTE pour ouvrir des portes, c'est trop con. Je trouve ça vraiment inutile. Ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Dash Simon, c'est ça? Pas mal de munitions. Looks like it's busted. Get inside. I can drive it from here. You sure about that? Gonna lower you down nice and easy. The brakes don't look too good. Elias! Try it. One of the motors shorted out when I transferred power. Stop the cab! Stop it! Elias! The system's not responding! You've got to do it manually! Wait, what? How? Just jam something into the brake! Hurry! Come on, you son of a bitch!
C'est un truc, je suis étonné. Genre, il y a des QTE pour ouvrir les portes, et là, dans cette cinématique, il n'y a rien du tout. J'aurais bien... J'étais prêt, moi, à marteler la première fois que j'ai vu cette cinématique. Ah, putain! J'ai tiré, mais... J'avais oublié ces trucs-là. Et ils ont des ressources aussi, il faut que j'y pense à ça. Merde, j'ai tapé en... Non! Oh, il m'a pas touché. Le mec il tape dans... tire dans le mur, bordel de merde. Ah Jacob, tu m'énerves. Fais chier. Jacob. On va un peu arrêter de faire ça, j'ai l'impression. Enfin, non, si on a une... on n'est pas contre un mur ou quoi que ce soit, on va le faire. Si on est contre un mur, on peut être évité. Ah, putain! Je cherchais le deuxième. Je me rappelais qu'il y en avait d'autres. Ah là-bas! Putain! J'en ai marre de faire de la merde. Pêche. Lâche-moi tourner la caméra quand je fais des trucs, merci. Honnêtement. Putain, il m'a fait peur, ce coup. Du coup, est-ce que je peux avoir des ressorts du corps ou pas? Nice. J'ai pas trop envie de trop m'avancer parce que... Peut-être que juste que je touche une partie de corps et ça peut peut-être... drop des objets en fait. 2 soins de batterie, 2 munitions. Là c'est quoi? Alors, on va faire du soin. Ah, j'aurais dû peut-être aller combattre d'abord. Parce que je pense qu'on était un peu trop plein de vie.
pas grave. Il y a des picous, ça. Je sais qu'il y en a plein, là. C'est vrai qu'ils sont complètement sourds en fait. Par contre, l'autre il est un peu agrippé haut. Je sais pas si je vais pouvoir récupérer les objets. De la merde. Putain, fait de la merde. Ça aurait pu être pire, hein, mais on a... Ouais, j'aurais pu mieux jouer... En tout cas, utiliser moins de ressources, ça c'est sûr. Ok, très bien. Alors, le fusil... Ah oui, on avait dit qu'il y avait un truc là-bas pour revenir en arrière. Un plan. Avance. Jacob, me la fais pas. Je sais que des fois tu peux sprinter sur les trucs gluants. Tu me la fais après, je le sais. Donc, c'est pas genre. Nickel. Ça. Le skunk gun. Je dois repartir, ça. Je m'en veux mieux. Par là, ou on peut vraiment pas... Par contre, on est d'accord que ça revient jamais, hein, la stase. Hein. Enfin, la stase, vous avez compris, genre la batterie. Là. Le coffre, on l'a pris. Non, mais je vais dans le mauvais sens. Hein. Faut peut-être avoir le niveau 1 pour que ça revienne. Ah. J'ai rien dit. Ah non, putain, c'est plein. T'es sûr que j'ai pas utilisé une batterie? Non, je pense pas. Non, j'en avais pas. D'accord, ça revient au bout d'un moment, ça c'est vrai. Okay. J'y pensais pas, j'y croyais pas honnêtement.
Ça met un peu de temps, mais... Bon, il me faut une reforge. Pour changer. Il est juste là en plus. Sorry for not responding. This thing's found a way inside here. Really tearing up the place. Can we still get to the shoe? Yeah, but it's on emergency power, so I'll need to stay here and run a manual override. Don't worry. I can get you over there. I'm activating the gondola right now. It'll carry you across. Marche. En anglais, ils disent le chou, apparemment. Ils font pas S-H-U pour le S-H-U. Please make a selection. On voit du plan, parfait. On est limité hein, aux ressources. On va se débrouiller. Alors on a le choix. Non, c'est quoi, c'est 400. Je suis en train de me demander si ça vaut pas le coup de débloquer directement le chargeur amélioré en fait. Pour avoir plus de place. Ou alors on prend... Non, on va prendre ça. Stand by. Non, on prendra le reste après. Ferme ta bouche. UGC printing, the highest quality. Notre Jacob, au passage, est trop con. Hein. Il est complètement idiot, il sait pas utiliser une poignée avant. Ça augmente la stabilité. Et oui, les poignées avant, c'est magique. Vous les mettez sur les armes à feu. Et vous n'avez pas besoin de la tenir. Ça fait la stabilité en plus. Ça fait, oui. C'est comme ça que ça marche, les poignées avant. Par contre, j'ai pas de stase, merde. J'ai pas de batterie en fait, il me reste plus de batterie. Chier. Honnêtement, cette phase est super bizarre, genre le... d'être sur le pont, là, la nacelle, là, et d'avancer comme ça avec des monstres pile devant. J'ai l'impression qu'il y a une autre façon... Ah tiens, très bien, avec des batteries. Il y a une autre façon de les faire, genre tirer dessus, mais moi ça va mettre... genre, je sais pas, genre 5-6 balles chacun, donc c'est débile.
Donc je sais pas, j'utilise la stase, ça a plus de logique. Mais je sais pas, je trouve la... ce moment bizarre en fait, donc je me demande s'il n'y a pas une autre façon de faire les choses. Je voudrais bien attendre que mon énergie revienne en fait. Vous l'avez déjà lu la première fois. L'inventaire. Ah! Trois soins. Ok, ça marche. Bon, allez, on y va. Alors, il y a un monstre là. Ah putain! Ah, il est tombé ce coup. Ouais, je suis tombé aussi, remonte. Ce passage est très très bizarre. Si je le fais d'en haut, c'est très étrange. Bah, c'est assez safe, mais. On a l'attaque lourde, c'est pas mal. Putain, ma batterie, elle met 7 ans à revenir, c'est ouf. Oh merde, je suis tombé. Ah, ça y est. Il est toujours pas mort? Ah ben putain. Descendre honnêtement, c'est un peu trop la merde. J'ai pas réussi à le tuer là. Ah merde! On va descendre. Je sais pas d'où ils viennent après, je m'en rappelle plus. Faut
toucher. Des fois, je sais pas trop s'il me touche ou pas, en fait. Quand je cours. Je devrais essayer de les propulser contre les trucs, mais là, je suis un peu bloqué avec mon énergie. Et merde! Ok, je pense qu'on est bon. Ouais, on est bon. C'est pas si mal passé. Qu'est-ce que tu me fais là? Je me suis téléporté en bas, comment ça se passe? Le jeu est vraiment pas fait pour genre descendre des obstacles et tout ça. C'est très mauvais pour ça. Je pense qu'on est bon, je pense que j'ai tout. Ouais, on a quoi du coup? Il reste quoi? Ça va, 3 soins et plein de balles, ça va, c'est cool. Je mets une balle parce que ça le stun plus ou moins, ça le déstabilise. Ça m'évite de me prendre un coup. Parce que je sais pas si Jacob va être assez rapide en fait pour taper le monstre avant qu'il me tape. UJC Printing at your service. Ah yes. Le grand chargeur. Excellent choice. Have a united day. Allez, Jacob, on enchaîne. Ok, très bien. Il n'y a rien. The choice is yours. Okay. C'est ça en fait qu'il faudrait prendre maintenant. Amélioration d'énergie. Augmente la capacité énergétique maximale des cellules d'expansion du marché secondaire. Ouais, ce serait le mieux. Pour le fusil, on attendra encore, on a le temps. On a combien de vie? Bon, honnêtement, je pense qu'on peut se débrouiller. Make a selection. Voilà. Et sinon, on a une balle. Rencontrer notre ami. Comme ils descendent trop bizarrement les escaliers, honnêtement. Mais en tout cas, on va rencontrer notre ami asiatique. Je sais pas qui c'est. Je sais plus son nom en fait. Ah oui, là il va avoir pas mal de bestioles. Je crois.
Honnêtement, on est en avance sur l'achat de notre équipement. Donc on a mieux joué que la première fois. J'ai plus de crédit en gros. J'ai beaucoup plus de crédit, donc ça c'est bien. Donc il y a une bonne amélioration déjà. Alors lui, quand je m'étais mis du côté gauche, il était allé vers le côté gauche. Parce qu'apparemment il savait où j'étais. Sans m'avoir vu. Mais là, là je sais pas. Ouais non, apparemment il part du côté gauche. Parfait, parfait, mais... pas dû tirer autant de fois, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. On est bien. C'est celle-là, je crois. I found it. Yes, are you sure this is the right one? Hey, get me out of here! What are you doing here? What the hell is going on? Did you know it was her? Is this who we're looking for? Yeah, look, I just knew it was someone who could help us, right? And why would I help you? Well, look, I've been here forever. Right? I've got all the information on this place, and I can get us to the hangar. Right? Now you can call down a shuttle, and he can fly it out. Look, we can do this, we just gotta stick together, all right? Thanks. I'll take my chances. A word of advice, though? Don't trust him. He's not what he seems. Alert. Emergency lockdown in progress. Elias! I swear, Jacob, I had no idea who she was! I thought you knew everything about this place. Yeah, I thought I did too! So what now? Now you're trapped in there until the cell docks, which means I can get on the tram, but you can't. Figures. Look, it's okay. I need you to go to waste processing, all right? Contact me once you're there. Data transfer complete. Wait. Ah, on est soigné. Ah non, non, j'ai rien dit, pardon. Just trust in the plan, yeah? I'll see you soon. J'avais complètement oublié qu'il nous transférait des données. Je crois que pour le moment, le seul moment où que je connais qui nous soigne en cinématique, c'est quand on récupère la combinaison. Donc c'est bien plus tard. Encore dans des conduits. Yeah.
Il y a un truc aussi, parce que si je bloque, si je prends l'habitude de bloquer un peu plus souvent, je crois qu'avec la matraque, on a une amélioration. Si on bloque, on peut faire une contre-attaque. Ah, petite bestiole. Qui vient de passer. On peut faire une contre-attaque. Et du coup, ça devient intéressant. I'm calling the tram now. You're gonna have to sneak out the way you came in. Look for a vent in the far corner. Il n'y a pas un piège ici. Ah merde, c'est pas celui-là. Il était là le piège. Il était là. Je crois, si je me rappelle bien, il y en a un en bas des escaliers, je crois. Un truc, ils auraient pu mettre un raccourci pour voir. Enfin, quand. J'en sais rien. Alors, si j'appuie vers le bas une fois. Pas que je maintiens, mais que j'appuie juste une fois. Que si je maintiens, ça me soigne. Que je vois le nombre de soins qui me reste en fait dans l'inventaire. Un truc comme ça, je sais pas. Ah, ce passage, il est un peu chiant. J'ai mis trop de temps peut-être à viser, tirer, c'est pour ça qu'il tire n'importe où, j'en sais rien. Ah merde. C'est vrai qu'il se recule pas, c'est chiant. Bravo. Fais gaffe parce qu'il y a un robot ici. Ok.
sont pas extrêmement difficiles, les robots. Tu en as la tête. Qui bougent un peu comme des débiles. Bon, par contre, c'est du one shot hein, s'ils nous tirent dessus, mais. C'est pas vraiment. Quand on a des endroits pour nous protéger, c'est pas vraiment les trucs qui font le plus peur. Quoi. Ils sont un peu débiles. Ça, ça vaut 500. Le décodeur. Ça va, on a encore des balles. Je peux me permettre de commencer avec une balle pour les déstabiliser, ça va. J'ai l'impression que des fois il y a des objets. Genre il y a des petits bruits, j'ai l'impression que c'est des objets. Il y a du monde. J'arrive pas. Ok, très bien. C'est honnêtement un piège de merde. Faut être honnête, hein. Un piège débile, quoi. On peut pas revenir en arrière parce qu'il y a les trucs qui sont pile devant l'entrée. Mais c'est vraiment un piège débile, honnêtement. Je sais pas. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas vraiment de sens. J'ai fait ça, je n'ai pas le checkpoint. Dans cette station, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas vraiment de sens. One hell of a view. Yeah, you got the hell part right, bro.
I see you. I got eyes on the hangar, too. That's our ticket out of here. Yeah, ran plenty of jobs out of that place. Feels like a lifetime ago. We will get you back to that life. You just gotta stick to the plan. Which means you need to get your ass to the habitat, Dom. How the hell am I supposed to get there? No one said this would be easy. But trust, I've got your back. What is that supposed to mean? You should work down there, collecting research, you might say. I made some recordings. The software I uploaded to your core will trigger them when you get close. Just follow them, and you will get to the Dom. Then what? I'll pick you up at the tram station. Easy peasy. All right. I'll be in touch. No. No, you won't. You're going underground, man. No signal till you reach the Dom. Well, that figures. Is there anything else you haven't told me? Ils sont bro. C'est mon bro Elias apparemment. Mate, il est un peu british notre Elias. Mate. Habitat. Les coupures, elles sont un peu étranges des fois entre les chapitres. Genre celle-là, je la trouve un peu étrange cette coupure. Okay. Ah oui, le passage dans les eaux désinfectées, c'est ça. Enfin, désinfectées. Ah, je crois qu'il y a un... Ouais, il y a une reforge. Nickel. Now, where is that recording? UJC Printing. Have a united day. Ça. On a 900. Alors, les dégâts augmentés. Propulsif supplémentaire à toutes les munitions. Ça n'a aucun sens, mais... Je sais pas, c'est, on tire des petites fusées. Et après on a 380. 380... Amélioration d'énergie, après c'est quoi? Donc la vitesse de recharge, honnêtement c'est un peu trop lent. La vitesse de grippe. La vélocité, pardon. Honnêtement, quand j'ai pris ça, j'ai pris le premier niveau. J'ai pas vu vraiment de grosses différences. Je pense qu'il faut au moins le niveau 2 pour que ça soit vraiment visible. Par contre, ça c'est bien. J'ai un peu envie de vendre les x10 là. Mais bon. Non, c'est bon. Pour l'instant, pas besoin, je pense. Qu'est-ce que tu fais, Jacob? T'es dans le sol, Jacob, ou quoi? J'ai l'impression que tu marches dans le sol. Ok. Donc là, on a pas mal de barres. On a deux injecteurs, c'est ça? Pas beaucoup de place. Hein. Je crois que je vais vendre mes munitions. Parce qu'on va encore retomber full. Ça va m'énerver. UJC Printing for all your needs. Voilà. J'ai même envie de vendre un truc de soin. Ah, on a été soigné quand on a changé de... le chapitre. Ah, j'ai bien envie de vendre un soin. Je sais pas si c'est une connerie ou pas. Mais... UJC Printing at your service. Ah, on a qu'à bien jouer hein, aussi. Tout simplement. 900.
Après, on a ça, 300. Débloque une nouvelle attaque basse à utiliser après le blocage réussi de l'attaque finale d'un ennemi. Ou à l'ennemi à plusieurs attaques. L'attaque finale, je sais pas ce que ça veut dire en fait. Ça, je sais pas comment ça se traduit dans le gameplay. Enfin, faut qu'il me tape plusieurs fois d'affilée. Par contre, faut qu'on augmente les dégâts de la matraque. On a augmenté les dégâts de l'arme, maintenant il faut les dégâts de la matraque. Donc, on va essayer de récupérer 900. Vous voyez, je pense que honnêtement, l'inventaire, il est super mal géré dans le jeu. Après, on a un petit inventaire pour le moment. Mais quand vous récupérez des choses, genre en bas, par exemple, et il y a la station qui est genre à quelques minutes de vous derrière, bah du coup, vous allez aller derrière, en fait, pour vendre. Genre, pourquoi me mettre un objet en bas? Honnêtement, mets-le-moi à côté de ma station, comme ça, c'est plus rapide. Mais tu sais très bien que, genre, 99% des gens, ils vont... juste revenir à la zone quoi, enfin à la zone, à la station reforge, je sais pas, c'est bizarre. L'inventaire est relou dans le jeu, je vais être honnête, l'inventaire est méga relou. Ouais, ça se passe un peu mieux quand on a la combinaison, mais bon, c'est pas encore ça. On doit suivre le tuyau rouge. La première fois que ça s'est produit, je me rappelle, j'ai fait demi-tour parce que Jacob peut pas reculer en fait, il est obligé de faire demi-tour. Je sais pas ce que c'est censé faire, ces machins. Genre purifier l'eau, j'en sais rien, c'est très bizarre.
Ah oui. Là. Sorte de chien invisible qui va sur les murs. Très très chiant à tuer. Entry 21C. Guards on rotation. I've got to make this quick. Here's a pipe needs to tank 6 years. Sérieux. Je trouve qu'on balance pas assez loin. Et j'ai pas l'impression que ça augmente la portée, la puissance en fait de la... comment ça s'appelle ? Du gant. Faudrait peut-être l'augmenter à 2 ou 3, voir vraiment si on peut balancer les choses plus loin. Je sais pas, gros, je sais pas. On prend juste des objets. Et encore des combis. Maintenant on avance bien, mais même en avançant bien, parce que je connais un peu le jeu. C'est quand même bien lent. Hein. C'est bien bien long. Ah oui, le chien. Ah putain de merde. Oh là là. Catastrophique. On n'a pas beaucoup perdu, mais... Catastrophique des fois, Jacob. Genre on sait pas où il tire, il est complètement à l'ouest, c'est trop bien. Je sais pas s'il y a des trucs à détruire ici, je crois pas. Je crois qu'il sait exactement où on est, ça sert à rien que je me cache. Très bien.
L'enchaînement comme ça, c'est pas mal, hein. Ça marche bien. Je crois qu'il y a des choses que j'ai pas lues, par contre. Enfin, pas écoutées. Ça ? Personal log, Dr. Caitlin Marlow. Arrived at Black Iron today, met Cole for the first time. He's authorized me to restart the program. It won't be easy, but I trust in my team. They, as I, understand the promise here. Oh. The opportunity is right there. Power goes out. Un chien. I need to keep following that red pipe. Ça marche, Jacob. Là. Là, je crois que c'est du secondaire. Réserve. What's the word? Jupiter bird. How's it sold? Good and full. UJC rations. No way. Upgrade to a power stack today. Santé pleine. Que j'avais. Ouais, encore que. On avait un peu vidé l'inventaire. Parce que on se retrouve encore quasiment plein. Et là, on a de la vie à récupérer si jamais. Du coup. Je sais plus. Ah oui, le tuyau rouge. Non, mais on reviendra pas trop loin. Ouais, c'est trop loin. Je crois qu'il y a un truc qui attrape ici. Je l'ai eu. Putain, on a eu de la chance, c'est énormément de crédit. Enfin, énormément. Beaucoup de crédit. Quoi. Faudrait qu'on puisse s'électrocuter quand on est. On prend la matraque dans l'eau. Je crois que derrière la porte il y a une reforge. Pas trop sûr.
GC Printing for all your needs. 900. Parfait. Stand by. Print finished. Très bien. Parfait. Ah oui, ça va faire peur. Tape, tape, tape. Tape, t'arrêtes pas. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouh. Pas mal. Surtout des crédits, ça c'est cool. On a récupéré notre vie, je crois, en plus. Ok, maintenant on a ça qui a été ouvert. Ah putain de merde, ça m'a fait peur. Je sais pas si on peut le tuer, hein. Je pense pas. Je crois que notre inventaire va commencer à être un peu plein. Ouais. Je vais retourner pour vendre un soin parce que là on en a un peu trop. On a deux soins puis on est full vie surtout. Donc on va au moins en vendre un, comme ça on a de la place. Et là il me reste quasiment plus de place. Qu'est-ce que tu fais, Jacob ? Ah, c'est chiant, hein. Je sais pas pourquoi ils ont... Encore une fois, hein, je sais pas pourquoi ils ont fait ça avec l'inventaire. Vraiment très très chiant. Ou alors les objets sont juste mal placés par rapport aux stations. Je crois qu'aussi... Dans Dead Space, on avait un inventaire limité, je crois. Hein. Quasiment certain qu'on avait un inventaire limité. Mais le problème, c'est que bah, avec Dead Space, on avait un coffre aussi. C'est ça, la truc. J'arrête pas de le dire, ça, mais... Ça ferait vraiment une différence en fait, pouvoir entreposer notre surplus, c'est cool. Alors que là, on peut pas, faut le vendre. Je crois qu'on va, on risque d'arrêter au prochain checkpoint. Ouais, on va s'arrêter là. Je commence un peu à fatiguer. Donc il faut que je fasse une pause. Pardon, je vais pas faire ça. Je vais regarder un peu l'inventaire. Ok, l'inventaire, on est bien. Ouais, ça se passe plutôt bien. On a des bonnes améliorations. Tu vois ça ? Une belle attaque plus lourde. Non, honnêtement, on est bien là. On est très bien. On continuera la prochaine fois. Bah, ça se passe nettement mieux. Hein. Sans le stuttering et tout ça, c'est plus agréable. Mais j'avoue que maintenant, je me rends compte que le jeu, bah ouais, c'est pas. Je sais pas, un peu lent. Je suis peut-être un peu fatigué en fait. Le fait d'avoir joué quelques heures avant avec le stuttering et tout ça, ça m'a honnêtement fatigué. Puis là, maintenant, du coup. De refaire le début, c'est un peu meh. Mais ça se passe nettement mieux. C'est beaucoup plus intéressant pour l'ambiance et tout. Il y a nettement moins de problèmes.
Il y en a quasiment plus, quoi. Après, c'est juste le jeu, on l'aime ou on l'aime pas. Donc je suis très content de ça. Continuera la prochaine fois. Donc c'était notre deuxième épisode. Ouais. On avance vite. On avance très vite aussi. Comparé à la première fois. C'est normal, mais voilà. Ça c'est cool. Ça se passe bien mieux. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.